Alors, j'ai le pouce et l'index qui ont des fourmis, même parfois des douleurs. Et tu verras qu'en général, si tu as ces deux doigts qui vont pas bien, tu as l'épaule aussi qui va pas bien. Tu as mal dans l'épaule et tu as mal dans le cou. Donc, si tu as les trois trucs, tu vois, quand tu bouges le cou, suivant la position que tu prends, notamment celle-là, tu as les douleurs qui apparaissent dans l'épaule et dans ces deux doigts, c'est une névralgie cervico-brachiale C5. Donc, c'est-à-dire c'est une racine du cou ici, là, qui est comprimée. Et c'est ça qui va pas. Donc, inutile de soigner tes deux doigts, soigne directement ton cou. Et si tu as l'épaule qui va avec, tu es sûr que tu n'as pas forcément une tendinite d'épaule. Hein. Faut d'abord soigner le cou. Et une fois que le cou est soigné, si tu as une tendinite d'épaule, seulement à ce moment-là, tu seras capable de la soigner correctement, vu que tu n'auras plus les douleurs projetées du cou, la racine C5 à l'épaule. Je ne sais pas si c'est compliqué ce que je dis. C'est le matin, j'ai pas bu de café. Si tu veux en apprendre plus sur ces différentes pathologies, en tout cas sur comment soigner une tendinite d'épaule couplée à une névralgie cervico-brachiale, j'explique toutes mes solutions sur le Giloflix. Tu peux mettre conseil en mots-clés dans mon commentaire et normalement tu recevras le lien. Si je lis, je t'enverrai le lien. Sinon, c'est le seul lien qui est disponible sur ma bio, ça t'amène là-bas. Voilà.